Sarkaz baleni, desamar. J'invite le grand ami du collège, M. Varouche Derghizian, à dire son mot. Messieurs les évêques et prêtres, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis. Mai 2018, nous nous étions retrouvés dans cette même salle avant les élections parlementaires, avec tous nos candidats, et j'avais souhaité la réussite aux plus chanceux et aux plus méritants. Ils sont tous là, j'ai l'impression, ils sont tous présents, je les salue. Nous sommes aussi aujourd'hui au lendemain de la formation d'un gouvernement que je qualifierais de salut. Non seulement pour la qualité de ses membres, mais parce qu'il est le fruit d'une gestation de 9 mois ayant poussé la situation économique au désespoir, minant le futur de notre cher Liban. Félicitons donc le Liban et les Libanais pour le gouvernement. Ne perdons pas de temps à rentrer dans la polémique futile et inutile de l'appréciation de sa composition. Mais voyons le cabinet dans sa totalité. Espérons qu'il va s'atteler à la tâche difficile des réformes.
pour pouvoir bénéficier des fonds de soutien promis par les pays amis que nous remercions. Nous félicitons en cette même occasion nos ministres, Son Excellence Avedis Kidanian, nos députés Jean Talousian et Agop Terzian, qui nous honorent par leur présence parmi nous ce soir. Nous sommes réunis finalement ce soir en votre présence et vous remercions de tout cœur pour votre attachement à l'éducation en général et au collège en particulier, au collège Messobian en particulier, le fleuron des écoles arméniennes, fondé il y a 80 ans. Cet établissement a été géré par un ensemble d'illustres personnages, essentiellement des prêtres, dont beaucoup d'entre eux ne sont plus parmi nous. Nous avons une pensée de reconnaissance pour tous ces hommes, ces géants, qui ont forgé le présent du collège par leur dévouement au fil des ans. Il suffit d'avancer le chiffre de 80 pour réaliser que ceux qui étaient à l'inauguration du collège ne sont plus parmi nous, mais veillent sûrement de par l'au-delà sur sa destinée. Cet établissement a vu dans ses murs des milliers d'élèves traverser les cycles de l'éducation et de l'apprentissage. Merci, Collège Messobian. Merci à notre Hoke Vorder et à travers lui, merci à tous les catholicos patriarches qui l'ont incité à reprendre le flambeau de la continuité. Merci à tous les directeurs, les enseignants et les élèves, les bons et les mauvais, car nous savons que la réussite académique n'est pas une garantie de la réussite dans la vie. Sans eux, sans vous, il n'y aurait pas eu de rêve, ni de vision, ni la volonté du succès bien mérité. Le temps a passé, 80 ans déjà, et dans sa foulée, a produit les femmes et les hommes du passé, du présent et du futur. À l'aube de la 4e révolution industrielle, je suis de Dubaï avec fierté les accomplissements et les trophées des élèves du collège dans la robotique et l'intelligence artificielle. Que doit être, mon cher Grégoire, le degré de ta satisfaction et de ta fierté, toi qui vis cette école au jour le jour? Merci pour tes efforts, ton dévouement, ton amour pour le prochain, élèves et parents, et enfin pour la réussite exceptionnelle du collège. Je te souhaite, ainsi qu'au collège Messobian, sous l'œil bienveillant de notre patriarche, non pas des années, mais des siècles de succès. Vous savez, quand vous êtes obligé à inviter à préparer un discours, vous essayez toujours de trouver une formule à la fin qui aura une portée. Malheureusement, les enveloppes ont été distribuées, donc je propose qu'on ramène les enveloppes et que vous, généreusement, j'avais trouvé une formule qui était très jolie et qui disait « Remplissez par une générosité téméraire les cartons placés devant vous à cet effet. » La générosité, c'est comme la proposition en mariage. Elle doit être spontanée pour ne pas perdre son courage. Bonne nuit. Մերոցուն ամյակը չէին կրնար դոնել, նշել, առանց անդրադառնալու կամ երախտագիտական մեր զգացումները հայտնելու մեր անգերց բարեկամին։ Թույլ տվեք ընթերցեմ, ինչ որ մենք այս հուշանվերին վրա գրած ենք։ Վարժարանիս անգերց և նվիրյալ բարեկամին, մեր առաքելության հավատացած ազգանվեր հայուն Վարուժ Ներգիզյանին, սիրո և երախտագիտության անխարն զգացումներով Մեսրոպյան Վարժարանի հիմնադրության 80-ամյակին առիթով, Բեյրութ, 2 փետրվար 2019, Մեսրոպյանի տնօրենություն։
Permettez-moi de partager avec vous la traduction du texte inscrit sur ce trophée. À l'ami sincère du collège qui croit en notre mission, à M. Varouche Nerguizian, en guise de pure reconnaissance, à l'occasion du 80e anniversaire de la fondation du collège Mesrobian.